Bonjour et bienvenue pour ce 51e jour de road trip au sein des 13 colonies. Nous sommes, voilà, ce sont nos dernières minutes dans le Maine. Vous pouvez admirer la nature derrière, des îles, rien que de la nature. On n'entend pas une voiture. C'est vraiment idéal. Dire maintenant, on va rouler direction Portland. Portland est la plus grosse ville du Maine avec une grosse industrie navale et maritime. Il n'y a pas énormément de choses à voir, mais il y a quand même pas mal de bateaux. Et puis, rues commerçantes et restaurants qui sont un peu sympas. Et on reprend la route direction derrière. Portsmouth qui n'est pas une ville en Angleterre, mais qui est bien une ville dans le New Hampshire. Et voilà, on continue notre route vers le bas avec quelques belles découvertes encore aujourd'hui. Et bien voilà, on est toujours sur la route 1 et on comprend à chaque fois mieux pourquoi la route 1 est l'une des plus belles routes des États-Unis. C'est ça! C'est ce pont historique, le pont de Androscoggin, le Androscoggin Swinging Bridge, s'il vous plaît. Un pont historique de toute manière, c'est marqué en gros, qui permet de relier les deux rives et avec une superbe rivière. Les vues sont magnifiques. Le pont est magnifique. C'est ici un pont piéton en métal avec du bois qui bouge sensiblement quand vous êtes à deux dessus. Donc les sensations sont également au rendez-vous. Mais la rivière est juste superbe. Et en fait, quand vous êtes au milieu du pont, on ne voit pratiquement pas les maisons, juste la rivière. Et puis l'autre pont historique en métal qui est juste en face, mais qui lui permet de faire passer les voitures et les camions. Bienvenue à Portland, une étape de la route 1 qu'il faut absolument faire naturellement pour son histoire, mais également pour ses bars, ses restaurants et notamment tous ses restaurants sur le port. Et puis pour l'ambiance finalement, parce que l'ambiance sous le ciel bleu, le bruit des mouettes, les odeurs de la marée et des pêcheurs et que l'on voit ici, et puis tous ces petits restaurants sur la jetée et sur le port sont juste spectaculaires et en font une halte indispensable pour encore mieux apprécier le Maine. Thank you.
voici à Portsmouth. Portsmouth aux États-Unis, naturellement, pas en Angleterre. Et pourtant, l'idée est bien là, puisque parmi les 13 colonies, beaucoup des noms des villes américaines ont commencé par reprendre des noms de villes anglaises, enfin britanniques en l'occurrence. Donc nous sommes toujours dans les 13 colonies. Et pour la petite histoire, Portsmouth ne s'appelait pas Portsmouth au début, mais Strawberry Bank, tout simplement parce que l'une des banques, eh bien, il y avait des fraises qui poussaient à l'intérieur, donc ils l'avaient appelée la ville... la banque aux fraises. Et pour revenir sur le pourquoi toutes ces tergiversations, et bien tout simplement parce qu'on a reconstruit ici le lieu où on se trouve, 17 maisons qui en fait sont aux emplacements initiaux des maisons quand la ville a été créée en 1623, qui permettent en fait, comme un peu à Williamsburg, et bien de renouveler, de revivre l'histoire des États-Unis, notamment la ville de Plymouth. Cette reconstitution historique se passe au niveau des maisons, qui reprennent des périodes différentes depuis le XVIIe siècle jusqu'à pratiquement la période du XIXe et notamment du XXe. Et ce qui est le point essentiel de cette ville reconstituée, et bien en fait, ce sont réellement la vie des habitants, ce qui fait qu'il y a eu une grosse recherche historique sur qui vivait, quelle famille vivait ici dans l'ancien temps, en revenant y compris au temps où en fait toutes ces maisons-là étaient habitées en fait par des capitaines de bateaux. Pourquoi des capitaines de bateaux ? Parce que tout simplement la ville de Portsmouth se trouve sur l'un des rivières avec le plus fort courant, mais les rivières les plus profondes également, qui permettaient de faire des grosses constructions de bateaux et de bateaux qui étaient là pour traverser l'Atlantique. Nous sommes dans les 13 colonies. On l'a dit, les 13 colonies, c'est l'histoire des États-Unis. Qui dit histoire dit également commémoration. Et nous sommes aujourd'hui à Portsmouth le 5 septembre. Du coup, cette date va sûrement éveiller quelque chose chez vous, lecteurs assidus de l'histoire des États-Unis. Le 5 septembre 1905 a en effet été la signature du traité entre la Russie et le Japon pour la première grande guerre qui a eu lieu au XXe siècle. Et donc, on est aujourd'hui dans une commémoration et toutes les cloches de la ville, mais également toutes les cloches qui étaient réunies ici, ont sonné la petite cloche à l'heure exacte où a été signé ce traité. Et pour vous dire que c'est important, il y avait trois sénateurs qui étaient représentés, ainsi que le conseiller général du Japon aux États-Unis. On parle esclavage et États-Unis, on pense surtout aux États du Sud, tout simplement à cause du nombre de plantations qu'il y avait. Mais il faut savoir que la véritable plaque tournante et le début de l'esclavage aux États-Unis a bien eu dans les États du Nord, et notamment dans le New Hampshire, avec Portsmouth qui était un port très très important où tout avait lieu. Les esclaves étaient naturellement maltraités et il n'y avait pas vraiment de cimetière pour eux, mais plutôt des fosses communes. Et c'est ici, sur l'un des lieux de ces fosses communes, que l'on a retrouvé au début des années 2000 des ossements. Et pour rappeler l'horreur de ces années-là, un mémorial a été érigé. Thank you.
La route 1 continue ici à Portsmouth où on va faire notre halte nocturne. L'hôtel est ici, il a l'air super sympa. Mais blague à part, la petite ville de Portsmouth est bien dans l'histoire des 13 colonies avec une histoire qui remonte également au niveau des années 1600, une année et des années marquées par l'esclavage qui a été très important ici. Mais surtout, on en retiendra encore une fois la route 1 qui passe par pas mal de petits ponts, des ponts historiques, des ponts qui passent par-dessus des rivières logiquement, mais avec des paysages qui sont splendides, qui longe la mer par de nombreux moments. Et encore une fois, les petites villes comme Portsmouth offrent cet aspect d'histoire, de vieilles briques, de vieilles maisons qui vous transportent dans ce passé. D'autant plus que la ville a brûlé 3 fois ici, parce que c'était autrefois des maisons en bois, et que l'on en ressent encore toutes les traces. Voilà, si vous appréciez toujours autant notre périple de 60 jours à travers les 13 colonies aux États-Unis, pensez, si vous venez juste d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner. Revenez sur les premiers épisodes, on a encore surtout de belles villes et de beaux périples encore à faire d'ici la fin du road trip. Donc continuez à nous suivre. Merci.